Bonsoir, je suis Philippe Fabry. Nous sommes le 7 janvier 2022. Il est 21h31. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de notre émission, toujours avec l'insondable Léo Portal. Bonsoir Léo, comment vas-tu Bonsoir, ça va. Parfait. Meilleurs voeux à tous ceux qui n'étaient pas là la dernière fois. On est jusqu'à la fin du mois de janvier pour le répéter. Je suis pas sûr que je le ferai jusqu'à la fin, mais ça fait toujours plaisir. Je suis très content de vous retrouver tous. Je suis, je remercie euh, ceux qui nous ont rejoints dans les souscriptions depuis la dernière fois. Je vous rappelle Alors tu vous... vois, attends, il ouais, y a des gens qui disent que le son est mauvais. Donc, est-ce que tu es sûr que le micro n'est pas à l'envers Il y a des gens qui posent cette question, même si. Ça non, pas non, mon, mon micro il est à l'endroit. Après, est-ce que c'est mon son qui est mauvais ou est-ce que c'est le son de Léo qui est qui est mauvais Alors Moi, mon son il est mauvais de toute façon puisque j'ai changé de micro, mais euh, le tien ne devrait pas avoir changé de la dernière fois donc euh, c'est bizarre il a quelqu'un qui dit que chez lui le son est bon je l'ai rebranché, est-ce que c'est bon bah, moi je te dis, je sens pas trop la différence mais moi je sais que mon son est mauvais le son est bouché mais moi je sais que mon son est mauvais <laughs> euh... <laughs> vérifier le jack, non mais c'est pas vraiment le jack est-ce est 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 qu'on est qu peut déjà me confirmer que mon son est mauvais aussi qu'il n'y a pas que le tien, parce que le tien je sais qu'il est mauvais ce son il ils y a des gens qui disent que ça va mais il y a des gens qui disent que ça va pas euh, le son de Léon est bon aussi <laughs> Écoute, euh, moi déjà mon son je sais comment l'améliorer mais ça va être un peu compliqué là, en direct euh, bon, bref, vas-y voilà, bon, euh, essaye de voir si tu peux l'améliorer le temps que je fasse les petites, euh, les petites euh, <coughs> annonces de rigueur. Donc je vous invite à, euh, <coughs> à mettre des pouces bleus sous cette vidéo, à euh, ne pas hésiter à commenter une fois qu'elle aura été publiée pour les gens qui nous verront en replay, bien sûr. Les autres, participer au maximum dans le chat afin qu'on puisse répondre à vos questions une fois que j'aurai terminé mon petit exposé habituel. Donc je disais également, je remercie tous ceux qui nous ont rejoints. Euh, dans les souscriptions. pour ceux qui ne le savent pas encore, vous pouvez avec le bouton rejoindre euh, désormais soutenir la chaîne. vous avez euh, plusieurs types d'offres euh, euh, qui peuvent euh, vous convenir et euh, voilà votre, votre générosité sera toujours euh, toujours appréciée, elle vous, vous offre droit à divers avantages qui sont possibles. Je vous annonce également que <coughs> j'ai enfin reçu mes exemplaires de euh, la structure de l'histoire, la nouvelle édition. Euh, donc, je peux euh, commencer à procéder aux commandes euh, d'ouvrages dédicacés. Euh, et pour euh, passer ces commandes, je vous rappelle de me contacter sur la, la chaîne, l'email le, le, de la chaîne, qui est historionomy@gmail.com. Ah, je remercie Denis G4 qui nous rejoint. Merci beaucoup. Euh... Eh bien, écoute, on va se lancer. Je ne sais pas si le son s'améliore. 4 sur 5, disent certains. Bon. Je, ouais, je, je suis en train d'essayer de, de faire une modification. Je te dirai quand je la ferai, parce qu'à mon avis, je devrais te couper deux minutes, deux okay. secondes. Mais voilà, je ferai un essai et normalement ça devrait être mieux, sinon je ne sais pas. Bon, en tout cas, je démarre. Je démarre euh, sur ce sujet qui est donc aujourd'hui 2070. Euh, la dernière guerre de l'islam, en fait, euh, c'est, euh, je l'avais déjà un petit peu annoncé ce sujet, puisqu'on en avait parlé, je vous l'avais proposé et, et je sais que c'était celui qui intéressait le plus de monde pour cette émission. L'histoire, c'est la question de s'interroger sur l'avenir euh, de cet empire, euh, cet empire pan-turc qui doit émerger après la grande confrontation géostratégique entre euh, l'Occident d'une part, euh, la Chine, la Russie euh, d'autre part. Euh, mais d'abord, je voudrais vous parler, et par un heureux hasard, ça ne nous sort pas du sujet, de ce qui se passe au Kazakhstan, puisque c'est quand même une, une actualité assez, assez brûlante, puisque euh, vous savez que euh, le Kazakhstan a, fait, a connu des, des troubles importants ces jours-ci, avec une répression assez dure et surtout le déploiement euh, annoncé et qui a débuté de troupes russes euh, dans ce pays qui est un pays d'importance stratégique pour la Russie puisque finalement il correspond à, c'est un petit peu euh, l'espace qui protège le bas-ventre de la Russie. Hein. Si vous regardez sur une carte, c'est euh, la, la, la porte vers le, euh, vers le sud et c'est extrêmement important. Il y a une frontière très très importante. Donc je voudrais... Et, euh, et c'est un pays, un pays pivot dans, cette, euh, dans la future confrontation entre la Turquie et la Russie, puisque c'est euh, l'un des plus grands pays de cet espace turcophone qui sera appelé à intégrer euh, le futur empire pan-turc. C'est pour ça que c'est particulièrement intéressant de voir cette, euh, cette crise, parce que toute déstabilisation qui interviendra au Kazakhstan finira, finira, par s'inscrire dans la future confrontation entre la Turquie et la Russie. Ah, euh, donc, euh, donc le Kazakhstan. Alors, le Kazakhstan, euh, quelques petits rappels sur ce qu'est le, le turco-mongol. Euh, la proportion de la population russe était plus importante euh, sous l'Union soviétique, elle était, elle était à 40%. Elle a diminué parce qu'il euh, y a eu une importante émigration des, euh, des Russes ethniques depuis la fin de l'URSS et en plus euh, une très forte natalité de la population kazakh. Parce que la population euh, kazakh, euh, et qui est également, outre le fait qu'elle est russophone, elle est également kazakophone, donc. Turcophones, puisque le kazakh est une langue, est une langue turque, euh, appartient à la famille des langues turques, euh, sont euh, en outre des musulmans, alors que les Russes sont des orthodoxes, euh, et, euh, et ont, ont une natalité euh, beaucoup plus forte, notamment parce que c'est une population qui est plus rurale, qui est plus rurale, moins urbaine, donc plus dans les mœurs traditionnelles que dans les mœurs les plus modernisées. Euh, en plus, si vous voulez, euh, pendant l'URSS, il y avait eu un effort de, de, de colonisation et de russification, finalement, du Kazakhstan, euh, parce que c'est un territoire qui est extrêmement euh, intéressant du point de vue des ressources. C'est le territoire qui, à l'échelle du monde, a le, la deuxième ressource de terre arable par habitant. Euh, et... Euh, et sous Khrouchtchev, il y avait eu une, ce qu'on appelait la campagne des terres vierges, qui était une colonisation des sols en fait, par des euh, populations russes pour simplement accroître l'exploitation de ces sols et améliorer la capacité euh, de l'Union soviétique à se, à se nourrir, hein, à augmenter la production agricole. Et en plus, c'est sur le territoire, dans la moitié sud du territoire kazakhstanais, que vous avez la très célèbre base spatiale de Baïkonour, qui permettait de faire les lancements spatiaux soviétiques et qui est aussi une, une qui rassemble des installations de développement dans le domaine du spatial, bien sûr, mais également des activités annexes, tout ce qui est technologie des missiles, etc. Les propulseurs, propulseurs à poudre, etc. Euh, qui sont euh, qui sont une technologie qui, qui sont utilisées dans les, dans les deux dans les deux secteurs et qui l'a aussi donc justifié et appelé beaucoup de populations euh, de populations euh, russes Outre ses ressources agricoles, c'est un pays qui vit essentiellement de ses ressources pétrolières, euh, mais qui a également en fait ces gavets de ressources. Le, le Kazakhstan, euh, il y a énormément, il y a beaucoup d'uranium. Il y a un sixième de la, des stocks mondiaux d'uranium qui sont des, des réserves connues d'uranium qui sont au Kazakhstan et 33% de la, de, la, de la production mondiale d'uranium, c'est le Kazakhstan. Euh, ils ont des réserves de fer aussi très importantes, des réserves de chrome. Donc c'est vraiment le, le sous-sol est très très riche. Donc c'est stratégique de, de ce point de vue là le, le, le Kazakhstan. Donc tant plein de points de vue agricole que pétrolier que que, que matière première. C'est très très important. Et en même temps, c'est l'un des pays les moins peuplés du monde euh, au niveau densité de population. 18 millions d'habitants pour plus de 2 millions de kilomètres carrés, donc ça fait plus de 4 fois la France. Euh, c'est euh, assez énorme. Plus de 4 fois la France et 3 fois moins peuplé. Euh... Alors, qu'est-ce qui, qu qui se passe au Kazakhstan euh, Ce qu'il faut savoir, c'est que hein, le... C'est un pays euh, qui a un régime euh, qui est relativement autoritaire hein, depuis, depuis la chute de l'Union soviétique. Il euh, euh, faut dire que les Kazakhs sont probablement pas la population la mieux, la mieux, la mieux dégrossie de l'ancien espace ex soviétique. Hein. Ce sont des populations. Euh... De l'Asie centrale, qui, qui font partie des populations les plus traditionnelles à l'échelle du globe. C'est toute cette ère qui va de, de l'Afghanistan. La, de, de toute façon, tous les pays en ce temps, en général, on est, on est un petit peu dans cette ambiance-là. Euh, et c'est un pays qui est euh, frappé par, euh, par la, une, une, crise, une crise du gaz euh, par la crise du gaz et hausse des prix des hydrocarbures euh, à l'instar de l'ensemble de l'europe de, de c'est ça qui est à l'origine des troubles euh, puisque euh, en général quand vous avez un régime qui est à la fois autoritaire et qui a des problèmes de, euh, de, de, de fourniture de ressources à la population ça donne déjà jacqueries de ce type hein, un petit peu gilet jaune et pour les mêmes motifs d'ailleurs, prix de l'essence toujours. Euh, il faut savoir, ce n'est pas la première fois qu'il y a des troubles. Euh, alors moi, je ne connaissais pas particulièrement bien le Kazakhstan, je m'y suis beaucoup intéressé depuis trois jours euh, à cause de ce qui s'y passe. Moi, j'avais effectivement l'impression que c'était un endroit qui était plutôt bien tenu, euh, stable. Euh, je savais qu'il y a deux ans, le... le président traditionnel, non, ça faisait 30 ans qu'il était là, euh, sultan Nazarbayev, euh, était parti à la retraite, mais parti à la retraite sans partir à la retraite. C'est-à-dire qu'il était parti, mais tout en continuant de présider le Conseil de sécurité nationale, je crois que ça s'appelle, une espèce d'organe qui chapeaute et qui reste en dehors, euh, genre euh, le type qui continue à tenir le vrai pouvoir ou les services de sécurité pour pas... Euh, par peur de vengeance ou de, de, de renversement, jusqu'à sa mort. Il y a plus de 80 ans, Nazarbayev. Hein, euh, et d'ailleurs, à un moment, certains pensaient que quand... Quand Poutine poussait pour, pour, faire, pour construire l'état de l'union en Russie-Biélorussie, c'était pour se préparer une espèce de sortie à la Nazarbayev pour plus tard laisser la présidence de la Fédération de Russie à quelqu'un d'autre et lui présider l'état de l'union dans son ensemble. Bon, vraisemblablement, c'était une hypothèse qui, qui s'est avérée peut-être plutôt fausse, on verra, mais en tout cas, vu que Vladimir Poutine a fait en sorte de pouvoir se représenter encore après, euh, ce n'est pas, pas un plan retraite visiblement qu'il a, qu a prévu. Euh, donc le pouvoir a été laissé euh, entre les mains d'un nouveau président, qui est, enfin a été laissé, non, c'est que le nouveau président, par contre, le nouveau qui s'occupe de la gestion, on va dire, des, des, du, du pays, euh, c'est euh, euh, Tokayev Et quand Noursultan Nazarbayev est parti en, euh, à la retraite, euh, on a renommé la capitale Astana Noursultan. Bon. Euh, et euh, donc c'était en mars 2019, et déjà à l'époque, il y avait eu en fait des... Et c'est à ce moment-là qu'il y avait eu donc, les premiers troubles, donc mars 2019, euh, mais ça avait été assez vite réprimé par le pouvoir. En fait, il y avait eu des appels à, le, à la volonté d'avoir des élections plus libres, plus démocratiques. Ça avait été très vite verrouillé. Et donc, depuis, euh, depuis il n'y avait plus rien eu. Donc, moi, je gardais l'idée que le pays était bien tenu. Euh, mais le problème, donc, je disais, c'est que c'est un pays qui est comme, comme l'Azerbaïdjan, c'est-à-dire qui vit beaucoup de ses ressources pétrolières. 55% du budget de l'État euh, vient des ressources pétrolières. Euh, C'est 230 milliards de dollars le PIB. Euh... PIB du Kazakhstan, et bien sûr le secteur pétrolier est tenu par des oligarques, comme dans beaucoup de pays de l'ex-Union soviétique, qui, euh, qui se partagent l'exploitation de cette ressource-là, mais euh, dans le mode de gestion de la, de la paix sociale, en même temps, il y a un indice de développement humain qui est très élevé hein, au Kazakhstan, parce qu'il y, y a des dépenses étatiques comme ça qui sont assez importantes, notamment pour tenir la population. Hein. C'est-à-dire que c'est assez classique, utilisation des ressources pétrolières pour à la fois se gaver au niveau de, des oligarques et en même temps tenir un petit peu la population en, en, lui, en lui faisant un niveau de vie confortable. Puisque quand les Gilets jaunes sont apparus, euh, ça, les prix de l'essence augmentaient progressivement, euh, mais, mais ce n'était pas, pas un doublement du prix. Quoi. Imaginez demain avoir un prix du litre d'essence à la pomme qui soit à 3 euros ou 3,20 euros. Euh, les gens ils ils descendent dans la rue immédiatement. Il y a pas de... Effectivement, ça montre en pression très très, très vite, euh, et d'autant plus dans un pays qui a une population qui est quand même globalement moins policée, je vous disais, euh, que, euh, que les sociétés occidentales. Donc, donc les gens effectivement euh, se sont agités, et vous avez un, un mouvement, euh, encore une fois, qui est, qui est vraiment très, très gilet jaunesque. Euh, donc il y a eu des manifestations <coughs> très importantes, avec des attaques de bâtiments publics, effectivement, euh, mais pas que, puisque vous avez eu aussi beaucoup de saccages de boutiques, de bars, etc. Enfin, exactement le même genre de choses qu'on a vu pendant euh, les Gilets jaunes. Euh, parce qu'en plus, comme chez nous, euh, vous avez. Quand ce genre de trouble explose, vous avez des bandes qui, qui en profitent pour piller. Euh, vous avez, euh, vous avez des, euh, des bandits, des délinquants qui en profitent pour s'attaquer à, à ceux qui les emmerdent habituellement, c'est-à-dire euh, les procureurs, les commissariats, euh, d'autant plus que le Kazakhstan est un pays qui est, euh, j'allais dire, féru, non pas féru, mais enfin qui est très connu et, euh, et observé pour ces, ces violences policières. Et donc forcément, quand vous commencez à avoir le peuple qui s'agite, euh, il est particulièrement violent avec les forces de l'ordre, euh, par vengeance, tout simplement. Donc, euh, donc voilà comment tout ceci euh, a éclaté. Alors peut-être, je dis même peut-être, qu'il y a quelques services occidentaux qui ont du coup ils ont mis un peu le nez, ont regardé ça de manière intéressée en se disant peut-être qu'on peut embêter Poutine dans son dos, mais euh, si vous voulez... Et ça, je l'ai déjà expliqué à plusieurs reprises, c'est pas ça, c'est jamais les agences gouvernementales qui font naître des troubles comme ça, jamais. Euh, ces troubles, ils naissent pour des raisons économiques profondes, ou profondes ou, ou, ou conjoncturelles, comme celles que je viens de noter, et pour des raisons politiques profondes qui sont en général le système politique habituel, qui généralement est autoritaire et corrompu, et donc euh, les gens sont prêts à s'en accommoder usuellement, mais quand tout d'un coup la vie devient vivable parce que le coût de la vie augmente très fortement, les gens ils se rebellent il voilà, ne le supporte plus. Euh, donc aujourd'hui, estimer que euh, c'est la CIA qui est derrière... Euh... Qui est derrière le, 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 les émeutes au Kazakhstan, c'est aussi bête que les macronistes qui pensaient que Poutine était derrière les gilets jaunes, si vous voulez. C'est un espèce de raisonnement comme ça, le, pour le coup, qui est de la vraie théorie du complot. C'est attribué à des petites minorités agissantes derrière qui manipulent. Non, non, vous ne faites pas ça. Les révolutions, j'ai beaucoup travaillé sur les révolutions, j'ai écrit dessus, hein, je vous conseille la structure de l'histoire, euh, pour voir que ça se passe toujours pareil partout. Euh, et euh, vous n'avez pas toujours Poutine ou la CIA derrière. Hein, et euh, voilà, donc ça. ça à partir du moment où vous avez une variable qui est absente dans certains cas et présente dans l'autre, ben ça veut dire que c'est une variable que vous pouvez éliminer hein, dans le, de l'équation, elle n'est pas déterminante. Euh... Donc voilà, fragilisation du Kazakhstan, l'OTSC, c'est-à-dire l'Organisation du Traité de Sécurité Collective, qui est un peu l'OTAN russe en fait, hein, qui rassemble la Biélorussie, euh, le Kazakhstan, euh, l'Arménie et, et d'autres ex-républiques euh, euh, ex euh, soviétiques dont le principal euh, est la Russie d'ailleurs, hein, de la même manière que les Américains sont la puissance principale dans l'OTAN, euh, et dans la même proportion, peut-être même dans une proportion encore supérieure, euh, a décidé de déployer des troupes euh, que certains ont cru d'abord euh, soustraites du front ukrainien, mais en fait ce n'est vraisemblablement pas le cas. Euh, et puis en plus, ça serait que 2500 personnes, euh, vraisemblablement essentiellement des parachutistes et des forces qui sont plutôt vouées au maintien de l'ordre en territoire un peu hostile donc, euh, c'est donc vraisemblablement pas des troupes qui sont distraites de, de, de ce qui est prévu autour de, de l'ukraine. donc, ça n'aura vraisemblablement pas d'effet là-dessus. en même temps, ça va permettre à euh, la russie d'accroître de, de, un petit peu son emprise sur le kazakhstan, comme elle le fait chaque fois qu'elle peut profiter d'une crise. Hein. elle a fait la même chose avec l'arménie euh, lors de la guerre contre l'azerbaïdjan. je l'avais évoqué dans l'émission que j'avais fait sur le sujet. On est mieux sur le son ou pas euh, depuis tout à l'heure Ouais, tu réussi à. Alors, oui, j'ai réussi. Euh, on est mieux sur le son. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai <laughs> branché ma carte son, mon micro et mon casque. Ah oui, ça, je me disais que toi aussi, tu plus clair. Ouais, j'ai okay. dire le reste en même temps. D'accord. Et, euh, et j'ai oublié d'être con puisque j'ai aussi désactivé le raccourci qui faisait que je te mutais en fait sans me faire exprès. Donc, euh, voilà. Tu brilles, brillant, hein, Léo. Ouais. Euh donc voilà donc le, le kazakhstan alors pour l'instant euh, on n'a pas trop vu euh, de choses qui permettent de penser que par exemple les turcs euh, prendrait le parti des manifestants, euh, puisque euh, ce qui apparaît sur les chaînes officielles turques, c'est plutôt un appel au calme, etc. Bon. Euh, la répression, elle va être terrible. Hein. Il y a déjà eu des dizaines de personnes qui ont été, euh, des, de manifestants, abattus. Euh, la consigne qui a été donnée aux forces de l'ordre, c'est de tirer sans sommation. Euh, le, euh, vraisemblablement que le, le, les russes donc y, y, ça va être une, une, c'est pas une occupation enfin avec 2500 personnes euh, c'est surtout pour libérer les forces de sécurité locale qu'elles puissent s'occuper de la répression justement, sécuriser des endroits stratégiques comme les installations de Baïkonour qui sont toujours exploitées par la Russie euh, et aussi envoyer un signal fort aux forces de l'ordre euh, kazakh euh, kazakhstanaise, pour dire, euh, la Russie est derrière, donc restez fidèles au, au gouvernement. Et puisqu'il y avait ce risque, il y a, semble-t-il, des forces de police qui sont passées du côté des manifestants euh, au début. Euh, et ça, c'est la terreur des pouvoirs, bien sûr, parce que c'est ce qui peut faire tomber, euh, ce que peut faire tomber des régimes. Donc, euh, donc, ceci a été verrouillé de ce côté-là, et a priori, donc, ça, ne, ça, ne, ça, ne, ça, ne, ça ne bougera pas plus. Il risque d'avoir une répression assez féroce, et ça devrait s'éteindre comme ça s'est éteint en, en Biélorussie. Mais donc côté Turc, il n'y a pas eu d'intervention. Alors j'ai entendu dire qu'il euh, y avait certaines revendications de certains manifestants euh, qui étaient aussi de mettre fin à toute alliance avec la Russie. Bon, euh, je ne sais pas si l'information était euh, était vraie. Et euh, si elle l'était, ça pourrait autant venir de de, de services occidentaux que de la Turquie, mais moi, à la limite, je privilégierai euh, l'option turque, puisqu'il euh, y, y a une lutte d'influence qui, qui reste assez soft pour l'instant, mais qui est sous-jacente, puisque cet espace fait partie de euh, l'espace turcophone euh, qui est visé par le pantouranisme. Euh, alors je termine donc là-dessus sur le Kazakhstan parce que c'est pas une émission sur le Kazakhstan simplement pour, pour c'est important parce que ça, ça donne encore une fois un signe hein, après l'affaire azerbaïdjanaise c'est un autre élément qui met en place cette mutation de l'Asie centrale qui finira par mener à une confrontation entre, entre la, 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 la Russie et la Turquie à mon sens autour de ces enjeux-là de, de domination de cet espace central asiatique euh, et euh, je, je reviens à mon histoire d'Empire Pantur. Donc l'Empire Pantur, je vous rappelle, c'est cet ensemble, qui ne pas forcément un empire, c'est un empire, c'est-à-dire c'est le, le même pouvoir qui, qui s'étend sur un ensemble, mais c'est comme l'Empire soviétique, si vous voulez. Je ne dis pas que ça sera structurellement, qu'il y aura un empereur. Bon, ça peut être formé autrement. Euh, institutionnellement, c'est plutôt au sens géostratégique, étatique, politique. Euh, donc je rappelle que euh, mon idée de l'Empire pan-turc, c'est que la Turquie sera dans le camp des vainqueurs à la fin de la confrontation géostratégique, euh, de la même manière que l'était la Prusse à la fin des guerres napoléoniennes et l'URSS euh, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, et qu'elle profitera de l'effondrement des vaincus. De la première guerre de la de la future confrontation mondiale, c'est-à-dire la Chine et la Russie, pour s'infiltrer dans cet espace euh, d'Asie centrale qui est naturellement un espace d'ambition turque parce que ce sont des populations turcophones. Euh, c'est ce qu'on appelle le panturcisme ou le pantouranisme. Euh, c'est l'équivalent, si vous voulez, de ce qu'avait fait la Prusse de la même manière. La Prusse avait bénéficié euh, de l'affaiblissement. De, euh, de la France qui, depuis, euh, depuis Richelieu, faisait en sorte de, de, de maintenir la division de tout l'espace euh, allemand, tout l'espace germanique. Et c'est l'affaiblissement la, 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 de la puissance française qui a permis à la Prusse de, euh, de faire l'unité allemande, en fait. Et de la même manière, c'est l'effondrement de l'Allemagne qui, pendant longtemps, était le concurrent de la Russie euh, dans la, en Europe centrale et, Euro et Europe orientale. Euh, c'est l'effondrement de l'Allemagne à la fin de la Seconde Guerre mondiale, a permis à l'Union soviétique de devenir cette sorte d'empire panslave dont j'ai également parlé dans une de mes précédentes émissions. Donc, sur le même modèle, on aura à la fin de la confrontation géostratégique euh, un empire pan-turc qui apparaîtra, hein, puisque c'est la principale puissance et qu'elle a l'ambition euh, d'étendre sa domination à cet espace-là, une domination à la fois euh, ethnique, enfin un espace de domination naturelle à la fois ethnique, donc pour l'aspect euh, turc, et euh, religieux pour l'aspect euh, euh, musulman. Euh, alors, bon, il y a deux hypothèses hein, que j'avais déjà mentionnées. Soit une, s'il si y a une guerre très chaude avec une, une, une implication très puissante de la Turquie euh, de manière armée en Asie centrale, à la fin de la guerre, ces territoires seront déjà largement occupés par la Turquie, et donc on, aura, on sera plutôt proche du modèle de l'URSS et du pacte de Varsovie, hein, c'est-à-dire immédiatement une constitution d'un empire comme ça. Si on est dans une hypothèse plus à la prussienne, ça mettra plusieurs décennies à travers l'influence et à travers peut-être des conflits locaux euh, pour la Turquie pour euh, s'installer dans cet espace-là, mais dans les deux cas, ça devrait donner exactement la même mécanique. Hein. Et donc l'idée, c'est que... Au lendemain de la confrontation géostratégique, vous aurez cet empire panturque qui sera une puissance, une grande puissance, puisque ça pourrait faire, d'après les projections que j'ai faites euh, de, euh, au niveau de, des cartes que j'avais livrées dans euh, mon Atlas des guerres à venir et que, et que, vous, que vous retrouverez dans la vidéo que j'avais fait sur l'empire le, le, du cœur du monde l'année dernière. Euh, C'est un espace qui ferait euh, entre 300 et 350 millions d'habitants, qui aurait de très importantes ressources euh, pétrolières, gazières, uranium, enfin, qui récupéreraient ces, ces importantes ressources d'Asie centrale, euh, qui disposeraient comme ça d'une espèce de nœud au cœur de l'Eurasie, Asie, euh, et, euh, et qui serait vraisemblablement hostile à, à l'Occident. Euh, quoi Quoiqu'ayant été dans le même camp des vainqueurs, de la même manière que l'était le communisme, puisque je pense l'avoir déjà expliqué, pour moi, l'islam le, le, euh, l'islamisme euh, est le nouveau communisme à l'échelle mondiale. Euh, L'international le, 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 islamiste, c'est un petit peu le nouveau commun interne, notamment que Erdogan essaie de développer à travers les communautés turques en Europe comme outil d'influence. Et il essaie d'utiliser les frères musulmans pour influencer également les pays du Maghreb, pour influencer les pays du Moyen-Orient. Donc il y a véritablement ce travail qui est fait, ce travail qui véritablement prépare l'apparition de cette, de cette sorte d'empire d'empire panturc euh, islamiste, hein, puisqu'animé en même temps par la doctrine des frères musulmans. Donc vraisemblablement, ce qu'on aura, c'est ça, c'est une espèce de, du RSS islamiste, en fait, au cœur de l'Europe, au cœur de l'Asie. Euh, avec peut-être, j'avais émis l'hypothèse dans ma dernière... Euh, ma dernière émission, mais je suis pas sûr du tout, l'hypothèse d'une Inde qui serait elle-même passée euh, sous le contrôle de la population musulmane, avec une sorte de réunification avec le Pakistan, hein, qui serait l'équivalent de l'issue de, de la guerre civile chinoise, où vous remplacez le communisme par l'islamisme, euh, par l'islam du, du Pakistan <laughs> et où euh, vous auriez une sorte d'espace de, de, indo-pakistanais qui serait l'allié musulman euh, islamiste de euh, l'espace peinture, de la même manière que la Chine communiste était pendant longtemps l'allié euh, de l'Union soviétique. Voilà, ce serait le cas s'il y avait exactement le même parallèle, sinon il y aurait peut-être juste le Pakistan s'il n'y a pas cette réunification qui se fait. Mais là, je, je vous dis, ma religion n'est pas faite sur cette, euh, sur cette question, j'ai juste deux hypothèses, on verra laquelle se, se valide. Euh, et donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que nous aurons véritablement, euh, si on a un équivalent de l'Empire soviétique, ça veut dire que, ou de l'Empire allemand avant ça, ça veut dire qu'on a un espace qui va être lancé sur le même type de trajectoire que ces pays-là. Et donc, ça veut dire vraisemblablement que comme ces pays-là, au bout de 40-45 ans, euh, on se retrouvera avec une nouvelle guerre entre... Cet espace-là et la thalassocratie, c'est-à-dire euh, l'empire américain à ce moment-là qui se sera encore renforcé. Et cette. Euh... <coughs> Cette, cette guerre vraisemblablement débouchera sur la défaite et sur le démembrement de l'Empire pan-turc, de la même manière que la guerre de 14 a débouché sur le démembrement de l'Empire allemand, et que euh, la guerre froide, et en particulier la dernière décennie de la guerre froide, avec euh, l'Afghanistan, euh, euh, le, le, les efforts des de, années Reagan, etc., ont débouché sur euh, l'effondrement et le démembrement de l'URSS et cette guerre naturellement ce sera une, pourquoi c'est pour ça pourquoi je l'appelle la dernière guerre de l'islam parce que ce sera une guerre qui sera forcément un conflit de civilisation assez fort puisqu'il y aura un antagonisme euh, au-delà de l'idéologie qui pouvait y avoir entre monde communiste et monde capitaliste euh, <coughs> il y aura vraiment cet antagonisme religieux et qui sera vraisemblablement agité puisque euh, si l'islam est euh, au cœur de l'idéologie d'un état très puissant et très 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 ambitieux, puisque ça serait une, une nouvelle forme de superpuissance, peut-être de puissance pauvre, c'est-à-dire pas au niveau des États-Unis évidemment, mais capable de, de, de résister et d'être extérieur, <coughs> eh bien euh, vous aurez cette capacité de résistance et d'antagonisme et, euh, et l'islam sera utilisé comme un instrument de projection, de la même manière que euh, l'Union le, euh, soviétique utilisait les partis communistes, hein, et bien, euh, ça aussi c'est un sujet que j'ai déjà un petit peu abordé dans de précédentes émissions, comme vous avez une montée de l'indigénisme et de l'indigéno-islamisme euh, dans les pays euh, européens, où les, les, le, la nouvelle extrême gauche sera celle de ces partis indigéno-islamistes, eh l'Empire Penthure utilisera ces partis comme agents d'influence, de la même manière que l'Union Soviétique utilisait le réseau des partis communistes. Euh, et bien sûr, si alors bon, la dernière fois on a eu une guerre froide contre l'Union Soviétique, donc ça ça a pas été ça a pas été trop sanglant. Euh, par contre, vu que on avance dans le temps, qu'on va quand même à des, distance. Euh, temporelles qui sont relativement éloignées, même si je, dans 45 ans j'espère encore les connaître, 45 ou 50 ans, je serai vieux, mais quand même, d'ici là, espérons que l'espérance de vie n'aura pas trop baissé, euh, vous aurez, ce n'est pas du tout impossible, qui n'est plus du tout l'équivalent de la dissuasion nucléaire, en particulier, si, si la, la confrontation qui vient met fin à, à ça comme, comme, comme type de, de, de menace et de gestion des conflits, ce qui est tout à fait probable. Euh, et donc, pour y avoir une, échelle à une guerre à l'échelle européenne, euh, qui soit à la fois une guerre de religion et une guerre géostratégique, comme contre une, une grande puissance. Euh, et qui serait probablement une, une guerre euh, terminale pour l'islam pourquoi Parce que tout simplement euh, si vous regardez le, le, le communisme euh, qui s'est effondré avec la chute de l'URSS et eh bien on aurait une guerre aussi comme ça au niveau de, de l'islam qui serait l'arme idéologique de cet empire penteur le parallèle avec l'union soviétique n'est pas le seul que j'ai sur le sujet, ce qui me pousse aussi à penser ça, c'est le parallèle que je fais et le, le, surtout le, le, la catégorisation que je fais de la civilisation turque euh, avec euh, la civilisation des, c'est-à-dire cet empire du cœur du monde dont j'ai déjà parlé dans cette ancienne émission à laquelle je vous renvoie, et, euh, et qui a connu un équivalent dans l'Antiquité avec ses différentes, euh, différentes euh, entités, l'Empire Assyrien, puis l'Empire euh, perse achéménide, ensuite l'Empire Parthe, euh, à l'époque de l'Empire romain. C'est la version Empire Part qui a été l'antagonisme. À l'époque où j'avais écrit Histoire du siècle à venir, je pensais que, le, le, vu, le, vu que l'équivalent le, le, moderne, ça a été les empires turcs, Empire Seljouki, depuis l'Empire ottoman, euh, je pensais que, vu le, 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 ce à quoi la Turquie était réduite il y a une dizaine d'années quand j'écrivais ça... Euh, D'autant plus, à l'époque, on pouvait encore avoir, à la fin des années 2000, le sentiment qu'il euh, y avait peut-être une possibilité de démocratisation. Euh, je pensais qu'il fallait arrêter le cycle-là, et après pas, ça comptait pas, mais en fait euh, vraisemblablement ce n'est pas le cas puisqu'il y a ce retour d'ambition turque, donc il faut comparer ça au retour euh, de l'ambition euh, et de cet empire du cœur du monde avec justement les dynasties parthes à partir du deuxième siècle avant, euh, avant Jésus-Christ et qui a été un, un adversaire assez redoutable de l'empire romain pendant, euh, pendant plusieurs siècles, euh, jusqu'à ce qu'il soit progressivement euh, battu euh, au cours du deuxième siècle après Jésus-Christ, euh, et en particulier après la première guerre qui a été conduite par Trajan, vous savez, qui avait envahi, euh, envahi la, la, la Mésopotamie et poussé au plus loin. Euh, l'influence romaine euh, à l'Est. C'est à ce moment-là que le, la, la frontière maximale d'extension de l'Empire romain a été étendue à l'Est. Et euh, le fait est que, alors, comme vous le savez, dans l'Antiquité, euh, il n'y a pas eu de concomitance entre ces empires euh, du cœur du monde. Et la religion euh, de la civilisation C, c'est-à-dire la, religi la religion juive, euh, le, la, la civilisation D n'était pas, euh, pas de religion juive. Mais euh, contrairement à aujourd'hui, où les Turcs se sont euh, islamisés depuis, euh, depuis le début et où tous les empires turcs ont été des empires euh, musulmans, euh, euh, même si un empire comme l'empire ottoman admettait son caractère multiethnique et multi-religieux et n'était et, et multi et, et pas, euh, était pas... Exactement dans la même dans la même pensée que les que les premiers empires euh, empires musulmans euh, mais malgré tout il y a quand même une identité on associe euh, la Turquie avec euh, avec avec l'islam et euh, et euh, mais cependant, dans l'Antiquité, on observait quand même aussi un parallèle parce qu'il euh, y avait d'importantes communautés juives dans l'Empire perse, puis dans l'Empire parthe, euh, qui vivaient en paix, qui n'y étaient pas persécutées contrairement à ce qu'elles pouvaient ressentir dans l'Empire romain. Euh, donc, il y avait une, une forme de connivence malgré tout. Cette connivence est apparue en particulier justement au moment de cette invasion, cette guerre euh, romano-parte euh, des années, c'était euh, autour de 115-117, parce que l'invasion par de l'Empire parte a provoqué pratiquement aussitôt une, euh, une, une insurrection générale des Juifs de l'Empire romain en tout cas de toute la moitié orientale, c'est-à-dire en Palestine, à Chypre, euh, et surtout en Égypte où il y avait de très importantes communautés juives, et jusqu'en Cyrénaïque, c'est-à-dire la moitié orientale de la Libye aujourd'hui. Euh, parce que tout simplement, les, les juifs de, 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 de l'Empire part, euh, qui connaissaient le, le sort des juifs, de, euh, que, que le traitement qu'infligeaient aux juifs les romains dans, dans l'Empire romain euh, se sont aussitôt euh, rebellés ont fait des guerres de partisans contre l'envahisseur romain donc aux côtés de leur maître Parthe et, euh, et c'est comme ça que ça s'est étendu euh, par, euh, par, par solidarité aux Juifs de l'Empire parthe qui ont de l'Empire romain qui ont vu là l'occasion de se battre Juifs de l'Empire romain et Juifs de l'Empire parthe contre les, contre les romains ensemble et avec l'aide des parthes euh, pour, les, pour les battre et ça a donné la guerre de quitos ce qu'on appelle la guerre de Kytos, qui en fait est une déformation du nom de Quietus qui était le général romain que euh, Trajan avait détaché pour réprimer euh, les révoltes juives. Ça a duré à peu près deux, temps. deux ans, ça a été un massacre total. On estime que, euh, en tout cas c'est ce que disent les sources de l'époque, que la popul population juive euh, à Alexandrie a été totalement annihilée. annihilée. On, on pense que ça a dû faire hein, plusieurs centaines de milliers, voire un million de morts euh, chez la population juive de l'Empire romain, qui à l'époque était de plus de 4 millions. Euh, donc, euh, et ça a été, ça a été véritablement le début de la fin pour le judaïsme antique, puisque euh, à partir de là, il y avait déjà eu une première guerre judéo-romaine en 66 avant Jésus-Christ, donc 50 ans avant. Euh... Qui peut être euh, à, à laquelle le, le, le qu'on peut identifier peut-être dans notre, dans notre âge à, à ce qu'a été la longue guerre contre le terrorisme et les diverses interventions dans le monde musulman par les américains depuis, euh, depuis le 11 septembre euh, et donc. Euh, <coughs> euh, et donc, si vous voulez, le, le, le... après ça, il y, a, il, y a, il y a eu tout un tas de, de provinces qui ont été vidées de la présence juive. Il y a eu tout un tas d'endroits où euh, des gens qui se convertissaient au judaïsme ont plutôt eu tendance à se convertir au christianisme. Donc, ça a eu un effet booster, on va dire, sur le christianisme parce que les gens se sont éloignés du judaïsme et qui était trop mal vu dans l'Empire romain et trop, trop considéré comme antagonique. Euh, et puis il y a eu carrément un nettoyage ethnique aussi qui a été fait par, par les Romains et après ça il n'y a plus qu'une dernière révolte qui intervient euh, une vingtaine d'après -après, qui est la révolte de bar Corba euh, à Jérusalem même et, euh, et en Palestine qui là est également complètement euh, euh, annihilée massacrée par euh, par Adrien euh, et qui entraîne euh, la fin de la fin totale de euh, du judaïsme politique. Et donc c'est intéressant parce que, parce que euh, donc le, le, une guerre contre l'Empire panturc ferait écho à cette guerre contre l'Empire parthe euh, qui a eu lieu à l'époque de Trajan, euh, pro, produirait probablement euh, une extension de la guerre avec toute une partie des populations musulmanes en dehors de l'Empire panturc qui serait exploitée à cette fin-là, euh, en Méditerranée, en Europe notamment et probablement que à ce moment-là ça donnerait lieu à d une, une répression extrêmement sévère d'autant plus qu'il faut imaginer qu'à ce moment-là hein, si on parle de dans un demi-siècle euh, le, 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 la mentalité américaine aura évolué vers un régime probablement beaucoup plus autoritaire euh, moins droit de l'homiste, et donc la, de la même manière que ça s'était fait sous l'empire romain et donc la répression sera probablement beaucoup plus, euh, beaucoup plus brutale que ce dont les américains seraient capables aujourd'hui. Euh, et dernier élément intéressant, c'est que euh, on serait sur la trajectoire globale d'un impérialisme revanchard à partir de la création de l'Empire panturque, première guerre qui amène le démembrement de l'Empire, et ensuite un dernier, un dernier feu de paille avec un impérialiste revanchard euh, qui serait l'écho de ce qu'a été la révolte de Bar euh, chez les Juifs de euh, l'Empire euh, romain et qui avait. Euh, pour ce qui était de, de l'islam lui-même. Donc voilà le, le, la projection que, que, que j'imagine. Alors on est sur quelque chose de lointain, bien sûr. Euh, il, faudra, il faudra réactualiser ça dans les dix ans qui viennent après la confrontation géostratégique pour voir exactement à quoi ressemble euh, cet empire pan-turc que je projette. Mais voilà ce que j'imagine à cette, à cette échelle-là. Euh, et ce que, je, ce que je pense. Et à partir de là, vraisemblablement, ça tuera l'islam euh, politique. Et euh, dans les décennies qui suivront, de la même manière que le, 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 le judaïsme était ensuite devenu ce judaïsme talbudique très, très replié sur la communauté juive, euh, très euh, ethnocentrique beaucoup moins prosélyte, on aurait une même, une même évolution de, de, de l'islam, et qui en même temps est une évolution de la fin des monothéismes politiques, hein, la, 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 la disparition... De, euh, du, du, du très grand prosélytisme, l'attachement, le, le, le repli parfois vers les traditions, ce qui a touché une partie du catholicisme d'ailleurs. Ce qui est intéressant, c'est que dans le catholicisme, il y a les deux. Il y a à la fois le, 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 côté, le côté repli sur la tradition, etc., qui est le catholicisme traditionnaliste, hein, c'est-à-dire qui s'attache beaucoup à l'européanité du catholicisme, c'est-à-dire à tous ces facteurs culturels, en même temps que Vatican II a plutôt promu un. Euh, un, un catholicisme justement détaché de, euh, euh, de son, son européanité, ce qui a fait beaucoup de mal à, au catholicisme en Europe, mais qui vraisemblablement a permis une partie de son essor euh, à l'extérieur de l'Europe, euh, mais qui fait aujourd'hui que beaucoup d'Européens de, ont du mal culturellement à se retrouver dans le catholicisme, qui de fait se déseuropéanise euh, de, de plus en plus. Mais bon, ça c'est un petit peu un autre sujet, je m'éloigne et je vais terminer mon petit exposé de ce soir là-dessus. Et vous laissez à vos questions, tout en vous rappelant euh, de mettre des pouces bleus sur cette vidéo et de ne pas hésiter à en partager le contenu si vous la voyez en replay, bien sûr, parce que pour l'instant, vous ne pouvez pas encore partager. Euh, mais vous pouvez dire à, à vos camarades euh, c'est historique, venez écouter Fabrice ce soir et des trucs super intéressants, euh, venez profiter du live, venez poser des questions. Voilà, comme vous voulez. Ouais, donc merci. Merci pour cet exposé. <laughs> Euh, qu'est-ce que je voulais dire oui donc déjà on remercie parce qu'il y a quand même eu euh, même si on l'a déjà plus ou moins fait mais il y a quand même eu 6 euh, nouveaux abonnés euh, euh, depuis le début Alors, on, merci on, on je les avais pas tous vu passer ouais il y a Fistule, Born to be Nerd euh, Denis G4, Jacqueline Damico qui en fait a fait deux abonnements un premier au premier niveau et un deuxième au deuxième niveau et euh, Charlie 5 et alors, j'étais peut-être au troisième niveau, je ne sais plus pour les niveaux. Et Man. Euh, voilà. Donc oui, effectivement, Codra. Bienvenue et merci. On a dépassé les 100, euh, les 100 euh, viewers euh, GG, oui. S'il vous plaît, mettez des pouces bleus, s'il vous plaît, partagez. Euh, ça me permet de, de développer. Il y a eu pas mal de réactions aussi sur... Euh, il y a eu des trucs sur les bouquins aussi. mais je le lirai quand on, quand on passera dessus. Je pense que je suis pas, je ne suis pas très fort là. Je peux monter un peu. Je peux essayer. Bah ouais, c'est mieux là. Ouais, je sais pas trop l'effet que ça fait, bon on verra. Ah, c'est un tout petit peu fort, mais mais je sais pas. Donc, voilà, dites-lui, dites-le à Léo. <laughs> euh, Parlez entre est, vous. Il ne <laughs> manquera pas de le dire. Alors, je vais essayer de lire les, les questions. Euh... Alors celle-là a été posée, donc je la poserai plutôt après. Euh... Tac, tac, tac. Alors French Touch nous dit par exemple qu'il a acheté euh... qu a acheté le livre pour Noël. Donc je sais pas de quel livre il parle. Euh, en tout cas, euh, French Touch que vous l'ayez acheté sur Amazon ou ailleurs, n'hésitez pas à mettre un commentaire sur euh, sur Amazon quand vous l'aurez lu. Oui, oui, ça nous fait toujours très plaisir de les lire. Et puis en plus, c'est bien pour l'algorithme <laughs> de, la, de la vente de livres. Euh, que pensez-vous des émeutes au Kazakhstan Mais ben ça, je pense que c'était un peu le sujet de l'émission. Donc, oui. on va dire que voilà, c'était le sujet de l'émission. Euh, ensuite, euh, alors Charlie Venant elle disait qu'il attendait la fin de l'émission pour euh, s'abonner pour m'embêter euh, par rapport au montage, mais je pense que c'est Charlie V. Donc, en fait, il, oui. il s'est abonné. <laughs> euh, voilà. J je voulais revenir aussi là-dessus. Cloud dit euh, « Islamo-gauchisme, populisme et nouveau clivage gauche-droite. Offert à un ami pour son anniversaire. Il adore. » Donc, merci. Ah, tant mieux. Et si cet ami peut venir euh, mettre un... <laughs> c'est vrai, il, il faut le dire. Tout à fait, tout à fait. C'est comme ça que ça marchera. On est à 20 avis, là, sur Amazon. Ce serait bien d'arriver à 30. Donc, euh, notamment pour égaler... Euh, <rire> un <rire> certain ami <laughs> un ami euh... alors euh... bon là je sais pas trop si tu peux répondre à cette question civilisation et monnaie ah, bienvenue Marek désolé et je vois qu'on a un nouveau euh, nouveau membre alors je lui dis bonjour tu as tu as raison euh, Donc... civilisation et monnaie quelles perspectives pour le dollar l'euro l'or le bitcoin le yuan le rouble euh, alors euh... on peut se Poser la question, moi j'aurais tendance à dire que euh, ce qui fait la force d'une monnaie, c'est d'abord la force des canons. Euh, donc actuellement, ça fait partie des luttes d'influence. Alors, pas tellement le rouble, hein. la Russie compte pas sur son rouble pour en faire un outil d'influence. Euh, elle essaie de se débrouiller avec pour que ça tienne le coup, parce qu'il a été pas mal dévalué depuis l'Ukraine, euh, depuis, euh, depuis l'affaire ukrainienne en 2014. Euh, le, effectivement, il y a cette idée que la Chine et c'est vrai que c'est Charles Gave qui en parle pas mal que la Chine veut faire du, du yuan un concurrent sérieux du dollar. C'est possible. Maintenant, si la Chine euh, est entraînée dans une confrontation stratégique avec les Américains et disons le mot une guerre chaude avec les Américains euh, et que les Américains gagnent, je vois pas ce, ce que cet espoir pourrait devenir. Euh, la question qui se pose le plus finalement, c'est celle de l'euro. Euh, qui peut rester une alternative intéressante euh, au dollar, euh, qui vraisemblablement ne gêne pas tellement les Américains parce qu'ils ont une relation assez ambivalente avec elle, mais ils s'y sont faits. Ça permet aussi de gérer, euh, de gérer le dollar, de ne pas avoir un dollar trop cher euh, tout en conservant son privilège. Euh, après, je ne suis pas un grand spécialiste des questions monétaires, mais au plan géostratégique, c'est comme ça que je vois les choses. Maintenant, si l'Union européenne euh, s'effondre, notamment euh, qu'elle souffre beaucoup, qu'elle éclate à l'occasion de la guerre, qu'elle se déchire. Euh, je ne vois pas bien quel pourrait être l'avenir de l'euro. Donc moi, je pense que le dollar, euh, le dollar euh, sera la monnaie qui conservera sa, son assise, ce qui ne veut pas dire qu'elle ne conservera sa grande valeur. Elle peut, elle peut être dévaluée euh, fortement, ça c'est toujours, toujours possible. Et quant au Bitcoin, il a semble-t-il souffert du, du Kazakhstan, de ce qui s'est passé au Kazakhstan, parce que euh, comme euh, il y a eu des, des restrictions sur, sur le minage de Bitcoin en Chine, il y a eu des migrants du de Bitcoin chinois qui sont allés au Kazakhstan pour miner, et, euh, et semble il semble-t-il que justement ça, ça a contribué au renchérissement du coût de l'électricité, parce qu'ils ont installé leur serveur au Kazakhstan et que ça bouffait de l'électricité. Et du coup, le, le Bitcoin a pris un gros coup avec, avec ce qui s'est passé au Kazakhstan puisque internet a été coupé en plus donc il y a eu des problèmes sur le minage pour revenir très rapidement sur la technique bon je tiens à dire que là bon, pour le son c'est pas mal donc effectivement je ne ferai plus l'essai que j'ai fait au début euh, et pour l'image on, on, on essaiera quelque chose mais c'est vrai que on peut le dire tu vas probablement avoir une nouvelle caméra voilà, voilà, on essaie d'être sûr de savoir ce qui vient de la caméra et ce qui vient de, 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 de la gestion en live, hein, puisque ce n'est pas des, des émissions qu'on fait, qu'on enregistre et qu'ensuite on télécharge. On aurait forcément une meilleure euh, image, mais bon, le prix du live, c'est aussi que vous avez une, une compression, une diffusion qui fait que l'image qui reste ensuite est, est un petit peu moins bonne. Il faut qu'on arrive à faire la part de ça, voir si ça vaut vraiment le coup de changer la caméra ou quelqu'un, je le ferai assez rapidement. Oui. Euh, y a-t-il question de Charlie V qu'on remercie encore pour son abonnement y a-t-il encore un lien entre les Mongols et les Turcs aujourd'hui euh, un lien euh... Ethnico-culturel, je, je ne sais pas. vous avoue que c'est une question à laquelle je ne me suis pas intéressé. Euh, dans l'idéal pantouraniste, je sais que euh, le, cette, cette communauté de culture est toujours, euh, est toujours euh, affirmée, mais le, le pantouranisme au sens strict, c'est quelque chose qui ne concerne pas énormément d'individus. C'est un rêve qui est assez, assez restreint. Donc, euh, Très honnêtement, je ne veux pas vous dire de bêtises là-dessus. Il faudra que je regarde. C'est vrai que c'est une question intéressante et que je me la suis pas trop posée. Ok. Alors, euh... tac, tac, tac. Euh... le bouddhisme et le christianisme évangélique étant des religions plus axées sur l'aspect spirituel et l'élévation de la conscience, pourraient-elles être les deux religions dominantes à l'avenir Euh... Alors, je veux dire, oui, c'est possible, mais si vous voulez, euh, ce qui fait vraiment les grandes religions dominantes, euh, c'est euh, le fait qu'à un moment, elles deviennent, elles sont politiques, parce que ça leur donne un dynamisme euh, et une imposition par la force ou à l'ensemble de sociétés que n'ont pas les, les religions qui restent très spirituelles. Parce que si vous prenez le christianisme, oriental, c'est-à-dire le christianisme dans les provinces où il n'est jamais devenu le, la religion de la domination politique, et je pense en particulier à la Perse pendant très longtemps. Et en tout cas avant l'arrivée de l'islam, donc c'est-à-dire enfin, le christianisme en Perse avant l'arrivée de l'islam, ça laisse 500 ans quand même, hein donc, euh, ou 600 ans. Donc on a le temps de voir ce que ça donne. Et bien ça a donné une religion qui s'est développée, qui faisait des fidèles, etc., mais qui effectivement n'avait pas de force politique. Alors qu'en Occident, elle est devenue un monothéisme, le, 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 le christianisme est devenu un monothéisme politique par euh, la figure de Constantin. Euh, qui, a été, qui a été le Mahomet du christianisme, si vous voulez, dans, dans le truc. C'est-à-dire, c'est celui qui est un chef politique, mais qui utilise la religion aussi dans un, dans un sens politique et dans un but politique. Et, euh, et c'est ça qui a, qui, a, qui, a, qui, a fait, qui a fait naître l'Europe chrétienne et qui a donné cette force euh, au christianisme, euh, cette force politique. Donc, euh, sans ça, le catholicisme, ça serait resté une religion. Comme ce qu'elle a été en Perse, c'est-à-dire qu'elle existait, elle avait des fidèles, etc., mais elle n'avait pas de rôle de domination et finalement, elle a été, elle a été étouffée progressivement par par l'islam qui lui était la religion politique locale. Donc, comme je ne vois pas le christianisme évangélique ni le bouddhisme devenir des religions politiques, elles peuvent le devenir. Hein. Si elles le deviennent, euh, oui, ça pourrait être... Sinon, ça sera des constantes qui existeront toujours, qui feront partie du bruit de fond euh, religieux, euh, mais ça ne deviendra pas les grandes religions dominantes, parce que par définition, pour que ce soit dominant, il faut qu'il y, qu y ait la force avec. Merci. Euh, alors, je réponds aussi à... Euh, C'était Abdou, non, Abou Tsouf. Euh, qui dit « L'image de Léo est de bonne qualité, c'est soit la caméra, soit le logiciel de vidéo. » En fait, c'est les, euh, les deux, je pense. Euh, moi, en fait, c'est avec mon téléphone que je fais l'image et en plus, elle est zoomée. Donc effectivement, il y a une très haute qualité. Et en plus, comme je stream depuis chez moi, euh, forcément, j'ai moins de compression. Euh, donc là, avant l'émission, on a voulu tester notre logiciel et en fait, on n'arrivait pas à le faire marcher. Donc, on est très vite reparti sur l'autre. Euh, mais bon, je pense que avoir une caméra qui ferait mieux le point pour Philippe s'améliorer et en plus effectivement par dessus ou par dessous il y a la raison du, du logiciel. Euh, donc c'est au moins ces deux raisons là. Monsieur Fabry, sans aller sur Mars, pensez-vous euh, qu'on développera des villes sur la Lune euh, Y a-t-il des matières premières qui en valent la peine et rentables oui, alors je pense qu'on va développer des, des, des villes sur la Lune. Je pense que déjà, ça fait partie déjà de l'idée d'y aller parce que, si vous voulez, dans, dans, le, dans le sol de régolithe de, de la Lune, il y a, il y a de l'hélium-3, il y a beaucoup d'hélium-3. Et l'hélium-3, c'est avec ça qu'on espère pouvoir faire fonctionner les réacteurs à fusion une fois qu'on maîtrisera la technologie en grande partie. Donc, euh, donc, si la fusion est l'énergie de demain, euh, la Lune est la mine de l'énergie de demain. Donc euh, donc effectivement, il y aura des implantations là-bas qui seront faites. Euh, il y aura des implantations qui seront faites pour, 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 pour utiliser pour utiliser ne serait-ce que déjà cette ressource dans le sol. Il y a aussi vraisemblablement de la glace qu'on peut aller utiliser sur la, sur la Lune, puisque c'est des résidus de comètes qui ont pu percuter la Lune. Et puis vous savez que la Lune est apparue. Euh, après que la terre a été percutée par un corps, euh, un corps étranger qui était euh, de taille très importante qui avait fait pratiquement exploser la terre euh, en morceaux et c'est une partie de la matière qui composait la, la terre telle qu'elle était avant qui s'est réagrégé pour former la Lune et donc vous avez notamment de l'eau dedans qui est piégée et euh, donc ça peut-être que ça pourrait être utile aussi en tout cas que ça permettra d'installer des, des, des installations sur la Lune hein, puisque si vous avez de l'eau vous pouvez faire des, 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 des carburants pour, pour les, les fusées etc. vous pouvez sortir, extraire de l'oxygène en particulier si vous installez centrale centrales à fusion sur la Lune enfin, il y a plein de trucs à faire donc je pense que oui la Lune, euh, la Lune elle risque de finir comme elle est montrée dans la série l'excellente série The Expanse euh, je pense avec avec euh, avec des villes, entières, euh, des villes entières dessus. Ça, euh, clairement. Merci. Alors, il y a une question, c'est pareil, tu as un peu répondu. C'est Joe Rosa qui demande quelle est la raison de l'augmentation des prix au Kazakhstan euh, – ben Oui, c'est la, 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 la crise du gaz en général, je vous ai dit, et, et le fait qu'en plus, du coup, sur place, des intérêts, semble-t-il, particuliers de la caste qui exploite euh, euh, le pétrole a conduit à la suppression de, de l'équivalent des tarifs réglementés, c'est-à-dire les prix plafond et donc ça ça les, 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 les prix ont bondi, en particulier parce que c'est les prix du gaz, et que là-bas, les gens roulent au gaz liquéfiés. Et donc, euh, donc forcément, euh, leur prix de, 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 du carburant des voitures est, est très fortement augmenté. Et en plus, comme c'est quand même un, un pays qui est très grand, donc où il y a un coût de transport interne qui est, qui est relativement important, euh, forcément, ça se répercute aussi sur toutes les denrées que vous consommez qui sont transportées, notamment les produits agricoles. Donc, tout a augmenté euh, fortement. Alors, Philippe, tu as euh, Agathe sur le chat. Qui oui, a dit, bonne nuit, papa, avec des cœurs. Bonne nuit, ma chérie. Je t'envoie un gros cœur comme ça. gros cœur. Voilà. Attends, je ne m'étais pas démuté. Euh, le Kazakhstan peut-il se transformer en zone d'affrontement turco-russe à long terme, une fois la guerre engagée Complètement. Je, je pense que ça le, ça le sera. Il y aura le Caucase et euh, tout cet espace d'Asie centrale, et en particulier le Kazakhstan. Euh, parce qu'en plus, il y a une... Si vous voulez, il y a une, un découpage... Territorial assez net euh, entre le, pour le placement des Russes ethniques. Les Russes ethniques sont essentiellement dans le, le, le nord du pays, dans le tiers nord du pays, puisque c'est là que les villes euh, russes ont été, euh, ont été fondées souvent au XVIIIe siècle, en même temps que, que l'expansion russe se faisait du côté de, euh, de, de l'Ukraine et de la Crimée. Et donc. Euh, donc, il y a, y, a y a un découpage ethnique qui est assez, euh, assez important. Et donc, y a une, y a une, on voit une ligne. Ce qui justifie à la fois un irrédentisme russe sur, les, sur les, 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 les régions majoritairement peuplées ethniquement de Russes. Euh, et puis les grandes villes en plus sont majoritairement appelées de Russes. Tout ça, pourquoi Parce que tout simplement les populations éduquées, les populations formées, euh, les populations de colons finalement qui étaient les Russes, euh, qui sont venus exploiter. Euh, si vous voulez, c'est un petit peu comme étaient les Allemands en, en Europe centrale hein, au 19e siècle, hein, ou les Autrichiens dans l'Empire autrichien. C'est-à-dire que euh, c'était euh, les Allemands qui étaient dans les villes, hein, qui travaillaient, qui étaient la population intellectuelle, les élites. Hein. C'est pareil, les, 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 Russes, les Russes sont ça euh, dans les, euh, au, euh, au Kazakhstan. Et donc en plus, effectivement, il pourra y avoir un, un, un mécanisme de, 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 lutte, de lutte sociale hein, ou ethnico social qui pourrait être utilisé par la Turquie. Mais donc tout à fait, oui, vraisemblablement, euh, ça sera la deuxième ligne de front avec... Euh, avec la ou la troisième si on compte la Mer Noire, la Mer Noire, Caucase et et, euh, et euh, Caspienne et puis après Kazakhstan. Ouais, me revoilà. Euh... Lorsque nous serons à un cycle civilisationnel interplanétaire, l'humanité parlera-t-elle une seule langue euh, Tu peux répéter Attends. Lorsque nous serons à un cycle civilisationnel interplanétaire, l'humanité parlera-t-elle une seule langue euh, alors, euh, euh, Non, je ne pense pas. Ça, je pense pas. Au contraire, euh, puisque euh, euh, je pense qu'il y aura toujours des renouvellements de diversification de langues. Euh, il faut se rendre compte que même aujourd'hui, ce qu'on a l'impression d'être une unification de langue est, est assez euh, fallacieux. Si vous regardez l'anglais par exemple, euh, l'anglais c'est énormément en réalité diversifié et de plus en plus. Hein, entre entre l'américain et l'anglais, il euh, y, y a une distance linguistique qui semble-t-il est de plus en plus grande euh, avec, euh, avec le, 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 le mélange, tous les apports. Euh, D'argot et de, et de vocabulaire qu'il peut y avoir des populations hispanophones, notamment. Euh, même en espagnol, euh, vous pouvez avoir des difficultés euh, à, à vous faire euh, comprendre sur tout un tas de sens de mots si vous êtes un espagnol euh, castillan et que vous allez, hein, que vous allez au Pérou. Hein. Euh... Et. Euh... Et donc, je, je pense que moi, il y aura des retours de diversification. En plus, à partir du moment où il y aura un effondrement de l'Empire américain, euh, il y aura un retour à des, 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 des réseaux de communication qui seront beaucoup plus locaux pendant plusieurs siècles. Et donc, vraisemblablement, ça va recréer des distances linguistiques de, de grands blocs à d'autres. Et, euh, et donc, je ne, je ne pense pas qu'on qu qu finira par aboutir à une unification, unification du langage. Je pense qu'avec euh, qu'on est proche du pic d'unification possible qu'on a, avec quelques grandes langues qui sont utilisées à grande échelle, qui sont en grande partie un héritage colonial de l'époque européenne, mais euh, je ne suis pas sûr que ce soit encore un, un mouvement qui est sur une pente ascendante. Merci. Euh, quid de la situation de l'Inde hindouiste victorieuse après la confrontation vis-à-vis -vis de cet empire pan-turc également victorieux Alors, euh, si l'Inde reste hindouiste, donc euh, qu'on n'est pas dans l'hypothèse où. Euh... Où euh, où elle deviendrait euh, où elle deviendrait euh, elle serait dominée par la partie pakistanaise. Euh, ce qui dépendra beaucoup en fait de je pense de, de ce que sera la réalité de la guerre indo-chinoise. Si euh, si les Chinois tapent très fort sur l'Inde qui a beaucoup de morts euh, et qui a donc un affaiblissement de l'Inde hindoue on va dire euh, et nationaliste de Modi euh, à ce moment-là il y aura un espace qui sera libéré pour les pour les pour les, les Pakistanais, de la même manière qu'en fait c'était les, les, les nationalistes, la partie tenue par les nationalistes qui avait semble-t-il le plus souffert de la guerre contre les Japonais euh, en Chine. Euh, mais euh, si, euh, si elle résiste relativement bien, je pense que euh, elle, elle aura cependant tendance, malgré tout, à rechercher l'alliance de cet empire pan tout en le, le redoutant un peu pour des raisons. Pour des raisons euh, euh, religieuse mais euh, elle recherchera cette alliance ne serait-ce que par équilibre par rapport à l'empire américain pour ne pas être à son tour simplement avalée parce qu y aura malgré tout un nationalisme indien et qui aura euh, la volonté de se percevoir comme la nouvelle, euh, la nouvelle puissance qui pourrait prendre le relais euh, à, à plus tard des états-unis hein, comme l'a fait jadis euh, l'a fait aujourd'hui la chine et donc euh, dans comme mon avis elle sera peut-être dans cette position un petit peu ambiguë. Alors là, ça se complique parce que je suis passé en mode pour modifier l'écran de fin, donc je ne peux pas trop me démitter facilement. Est-ce qu'on peut quand même prendre une série de questions où tu réponds vite ouais, Parce qu'en fait, il y a dit. quand même pas mal de questions encore, dont pas mal de questions de, de, de gens abonnés. Ce serait bien de leur répondre. Alors, hein Alors, si, ce si ça n'a pas été dit, quelles actions de la part de la France ou un autre pays permettraient de réduire l'influence de cet empire pan Euh. Ben. Alors non, effectivement, je ne l'ai pas dit. Ben déjà, première, euh, première chose à faire, c'est l'empêcher de s'étendre euh, en Europe. Donc, euh, ff, euh, aider la Grèce à résister, euh, aider la Grèce à résister, euh, faire en sorte que les Balkans ne tombent pas, parce qu'il y a des relais hein, d'influence de, 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 turque dans les Balkans, euh, qu'il faut arriver à… Il faut, je crois que c'est notamment vers l'Albanie que, que tente de tendre la main euh, l'Albanie, la Bosnie, c'est-à-dire les, 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 tout simplement les Balkans musulmans. Hein. Euh, donc ça, il faut, faut éviter. Euh, il faut lutter aussi contre la, 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 la mise en place de réseaux, de réseaux islamistes en France et en, Euro et en Europe. En Allemagne, euh, bon, il faudrait que les Allemands se débrouillent avec leur communauté turque. Et euh, nous, on a moins de Turcs, mais on a quand même pas mal de salafistes, hein, et donc qui peuvent être des relais pour la puissance turque, en particulier parce qu'il y a des liens importants avec l'Algérie de la Turquie. Donc, euh, donc, il faut se méfier. Euh, C'est de ce côté-là qu'il faut se méfier dans notre espace à nous. Voilà. Après, ce n'est pas à nous d'aller nous, nous occuper de, de l'Asie centrale, mais, mais, euh, mais en Europe, il y, y a un travail à faire à ce niveau-là. Alors, pour éviter une invasion une partie de l'Europe... Ah non, mais ça, en fait, c'est la suite de la... du propos d'avant. Euh... Il y en avait pas mal euh, ici. Question à laquelle vous avez déjà dû penser. Comment envisagerez-vous votre théorie si vos prédictions se révèlent inexactes à l'avenir Comment la réviserez-vous euh... En fait, si vous voulez, euh... je n'ai aucun doute, mais vraiment aucun, euh, sur euh, le fait que euh, la Chine et la Russie euh, tomberont comme puissance euh, dans les 10-15 ans qui viennent et, que ça et, et, et à partir de là, euh, ça ne peut que profiter à la Turquie. Euh, je ne vois pas comment c'est possible autrement. Euh, ou alors il faudrait que la Turquie s'effondre avant, euh, ce que je ne vois pas. Mais si vous voulez, ça c'est des choses... Non, les doutes que j'ai éventuellement, je l'ai déjà mentionné, c'est sur le détail de la façon dont ça va arriver. Et là, c'est pour ça que j'ai fait une petite expérience, notamment en faisant ce fil Twitter. Bon, c'était déjà en grande partie, mais bon, je l'ai réactualisé. C'était dans l'Atlas des Garafdi. Je l'ai réactualisé pour, pour ce fil Twitter, pour faire une sorte d'expérience en direct hein, devant tout le monde. Euh... Pour voir si sur le détail de la morphologie du truc j'ai raison. Là j'ai plus de doutes, notamment pour des raisons que j'ai déjà abordées. Par exemple, euh, quel est l'impact réel des armes nucléaires Est-ce que ça va être euh, plutôt des, une confrontation qui va rester froide euh, Tout ça je sais pas. Donc ça j'ai déjà intégré. Après si je me plantais sur euh, sur vraiment le reste, c'est-à-dire les gros trucs, je veux dire l'abaissement de la Chine, la Russie, etc. Euh, je pense que c'est parce que je, je, je me serais planté sur beaucoup de choses. Donc, euh, ça serait l'objet d'une très grosse remise en question euh, de ma part, en tout cas sur mes capacités prospectives. Sur l'analyse de la répétition des trajectoires, je ne sais pas, parce que peut-être qu'il bon, faudrait juste ré rééquilibrer le modèle. Mais sur la capacité à, à anticiper et à, et, à, et à faire des prévisions, euh, là, je pense que je serais... Euh, je, je, je... je réviserai ma position et peut-être que je viendrai à penser qu'en fait, euh, on peut pas utiliser ça pour ça, on peut l'utiliser comme outil d'analyse historique pour comprendre le mouvement, mais euh, pas vraiment pour faire de la prévision. Merci. Euh... Alors, sache, je... Non, enfin, si, remarque. Denise G4, est-ce que l'Empire néo-ottoman réussira à contrôler les Balkans comme autrefois Et est-ce qu'à la fin de cette guerre, la Grèce récupérera Constantinople post j'ai acheté la structure de l'histoire. Alors, merci pour ça déjà. Euh, -ce que, alors, ce sont des questions intéressantes. Euh, ça dépendra, en fait, ça, c'est des choses qui sont aux marge et dont le détail dépendra justement de la façon dont le conflit... Euh, se déroulera. Euh, parce que si vous regardez par exemple la fin du système, euh, à, la à la fin de la, la Seconde Guerre mondiale, euh, le, le, le pacte de Varsovie, c'était tout simplement l'avancée russe euh, militaire, hein, qu'ils ont, euh, ils ont, ils ont maintenu leur occupation de ce qu'ils avaient pris aux Allemands. Euh, ceux qu'ils n'avaient pas réussi à prendre directement, comme la Yougoslavie, s'est assez rapidement détaché de la domination soviétique pour, pour, pour faire un petit peu son bonhomme de chemin, tout en restant dans le monde communiste, mais en étant indépendant. Donc, la capacité véritablement à, teni à, à tenir des endroits, ça dépendra de la morphologie du conflit lui-même et des mouvements de troupes. Euh, si, euh, au cours des opérations, alors comme je vous disais, je, je pense que ce qui fera, ce qui initiera la confrontation Russie-Turquie, c'est la volonté de la Russie pour gagner dans des, th dans des théâtres de guerre secondaire, euh, notamment la Méditerranée, euh, ce sera de décider que c'est le moment de prendre le, le, les détroits à la Turquie. Donc il y aura vraisemblablement une, une invasion russe de Constantinople qui en plus répondrait à un vieux désir, un vieux désir idéologique du pays. Euh, probablement que la, la Grèce risquerait de, de basculer du côté de la Russie à ce moment-là justement pour, être, pour essayer de mettre fin à la menace turque. Euh, ben, si les Turcs à ce moment-là, euh, ils, ils bougent dans l'autre sens, qu'il y a une guerre chaude et donc qui qu progresse dans les Balkans. Euh, en reprenant constantinople qui battent la grèce on peut se retrouver dans une situation où euh, il y aura une grèce et des balkans qui sont occupés par la turquie à la fin du conflit Turquie soutenue par les Américains, et qu'ensuite la Turquie refuse de, 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 de se retirer, hein, et donc les occupe comme l'URSS a, a occupé la Pologne, euh, etc. Ça, c'est tout à fait possible. Mais ça dépendra véritablement de la morphologie des conflits. Je ne vois pas si la guerre s'arrête alors que la Turquie, euh, au, au niveau euh, à, à l'Occident, est dans ses frontières actuelles et qu'elle n'arrive à s'étendre que côté Kazakhstan et, et côté Caucase. Euh, je ne la vois pas dans un second temps réussir à envahir tout ça. Là, les Américains ne le permettraient pas. Euh, donc ça, ça dépendra vraiment de, 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 du déroulement du conflit et là je pense que la friction, la friction du hasard est forcément beaucoup plus importante, on entre vraiment dans les choses qu'il est difficile, on peut envisager des hypothèses comme je viens de le faire, ou dire dans tel cas ça donnera ça et donc il y a une possibilité, une probabilité non nulle que ça arrive hein, que, que l'Empire Ottoman finalement retrouve sa domination des Balkans, voire de la Grèce mais au-delà euh, mais, au euh, mais, mais c'est pas une certitude parce que ça dépendra de la morphologie exacte du conflit Merci. Alors, il y a encore des questions. On va dire, je ne pose plus. Euh, là, je pose que les questions des abonnés parce que sinon, il y en a, il y en a trop. Quoi. Ouais. Euh, je n'ai pas vraiment compris au sujet du Pakistan. Il devrait être dans le camp russo-chinois oui. face à l'Inde. Pourtant, il serait dans les vainqueurs et prendrait l'Inde Alors, euh, c'est. Euh... Euh, c il y a une inconnue sur le Pakistan. Est-ce est qu'il serait véritablement dans le camp russo-chinois Il peut être dans le camp chinois dans un premier temps. Il faut savoir par exemple que le, le, la, la, guerre, euh, la guerre qui a éclaté entre les euh, Japonais et les Chinois en 1930, 7, qui était une reprise de la guerre après que les, les Japonais aient conquis le Manchukuo, c'est-à-dire l'équivalent de la Manchourie, dix euh, ans avant. Euh, la guerre a reprise notamment parce que les communistes euh, ont commis des attentats contre les Japonais. Le but, c'était de redéclencher la guerre contre les Japonais en espérant que ça, ça ferait mal aux, euh, que ça, ça, ça porterait préjudice aux nationalistes, justement, chinois, et qu'ensuite, eux, ils pourraient profiter du chaos pour reprendre en main le pays. Euh, C'était ça un petit peu le calcul, en fait, la politique du pire des communistes euh, chinois. Euh, donc, si le Pakistan, donc de, de, le, les communistes chinois ont été d'une certaine façon les alliés objectifs au début du conflit des Japonais. Après, ils ont lutté contre les Japonais euh, avec les nationalistes, si vous voulez, mais il, il y a cet esprit-là. Donc le Pakistan, s'il est dans une position un peu floue euh, après et qu'en plus il est soutenu par, euh, par, la, par la Turquie, euh, je pense qu'il est possible qu'il finisse par se retrouver dans le camp des vainqueurs parce que vous pouvez par exemple avoir une Chine qui avance, euh, qui avance fortement en Inde. Et, euh, et, euh, et une fois qu'elle est vaincue, un Pakistan qui serait resté euh, euh, qui serait resté euh, euh, qui serait resté euh, relativement en forme, euh, qui n'aurait pas été en guerre directe avec euh, avec les Américains par exemple, euh, qui lui pourrait profiter du, du chaos pour pour mettre la main sur l'Inde. Je ne je, je je suis pas sûr hein, de ça. Je suis pas sûr. C'est une hypothèse. Et donc voilà. Comment ça se passerait si ça devait se passer Effectivement, ça me paraît moins clair parce que, si vous voulez, la grande différence, c'est qu'à l'époque, les communistes chinois, c'était pas un pays à part de la Chine nationaliste. C'était un pays qui était en guerre civile. Donc, cela ne vaut que si on interprète le coup plein de Pakistan comme une ère ensemble qui est en guerre civile. Mais ce n'est euh, pas exactement la même chose. Donc, c'est pour ça que je ne suis pas affirmatif. Merci. Jacqueline D'Amico, le Bosphore étant très stratégique, est-ce que les Russes accéléreraient leur guerre contre la Turquie euh, Alors oui, c'est ce que je disais. C'est-à-dire que je pense que euh, une fois qu'il y aura la confrontation qui sera lancée entre la Russie et l'OTAN, il y a un moment où la question du Bosphore se posera. Même si la Turquie freine plutôt pour, euh, euh, dans un premier temps, euh, par, euh, par connivence sur un certain nombre de, 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 de fronts avec la Russie où elle, elle se partage l'influence. Je pense que ben, sur le mode du pacte germano-soviétique, hein, il y a un moment où la confrontation se fera de toute façon. Et effectivement, le côté stratégique du Bosphore, euh, qui permettrait à la, à la Russie de se déployer en Méditerranée, et, et un accès qu'elle a besoin de garder, si elle sentait que la Turquie risquait de fermer cet accès-là, euh, ça, ça justifierait tout à fait stratégiquement euh, euh, la, guerre, euh, la, euh, la guerre chaude entre les deux pays. Merci. Euh, bon, mais il y a une question, il y a autre question d'un abonné, Zach, mais elle est très, elle est très large, quoi. Donc. Euh... Vas-y, voyons si je peux dire deux mots. Comment devait, comment devrait évoluer la situation, comment devait évoluer la situation du Moyen-Orient, non turcophone, Irak, Syrie, pays du Golfe, etc. Ah, c'est-à-dire est-ce que ça serait intégré à l'Empire pan Ben ça aussi, en fait, euh, je pense que comme on n'est pas sur des régions euh, turcophones, euh, qu'on est quand même sur des régions qui font partie de... de parce qu'il y, y a deux ambitions euh, turques. Il y a l'ambition et il y a l'ambition néo-ottomane, euh, qui se rappelle de, 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 de ce qu'était qu la volonté, euh, le, les territoires dominés par, euh, par l'Empire ottoman. Donc, euh, donc il est, euh, ça, dépendra de, ça dépendra là aussi des mouvements de, 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 de la morphologie du conflit. Euh, je pense que la Syrie, il est fort probable que les Russes s'ils entrent en guerre contre la Turquie, utiliseront notamment la Syrie comme, 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 comme allié de revers. Contre la, la Turquie euh, et, euh, et donc voilà, ça, ça dépendra de, 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 en fait de la, de, la, de la friction et des, des morphologies du combat, du déploiement exact. Euh, si ces territoires sont occupés par les Turcs. Euh, et dans la mesure où ils seront occupés par les Turcs à la, au lendemain du conflit, euh, ils seront vraisemblablement intégrés à l'empire euh, islamiste turc c'est-à-dire qui est pan-turc dans sa, sa, sa conformation, j'ai envie de dire, mais qui, qui, qui aussi peut se baser sur, sur, sur l'ambition ottomane et l'islam, le, et le, et la communauté de civilisation musulmane. Nouvelle question des abonnés, mais qui est plus courte cette fois-ci. Euh, Est-ce que c'est possible de voir une coopération entre l'Égypte et la France contre la Turquie Je pense que c'est possible. Ça serait possible aussi, mais j'y crois moins, je crois que j'en avais parlé. Euh, en tout cas, c'est ce que j'ai mis dans mon fil Twitter, euh, parce qu'il y a une proximité entre l'Égypte entre et, la, et la Russie. Euh, mais euh, je, pense pas, je pense que dans le, dans le cadre de la guerre, l'Égypte ne prendrait pas le parti de la Russie parce qu'elle est trop proche. Euh, déjà, elle s'est mise en paix avec Israël, qui est un allié américain, qu'elle serait trop euh, exposée à des frappes américaines si elles passaient dans le camp de l'ennemi, donc euh, ça serait pas, euh, ça serait trop dangereux pour elle. Euh, et, euh, et effectivement, en plus, il y a une proximité française avec, avec l'Égypte, euh, et, et je pense et, et, une, et une inimitié très importante entre l'Égypte et la Turquie, puisque euh, en particulier entre, entre l'Égypte de Sisi et le, le régime de Sisi et la Turquie, puisque euh, Sisi est celui qui a foutu dehors euh, Morsi, euh, qui a massacré les frères <laughs> en égypte et donc euh, ils sont à couteau tiré avec euh, avec erdogan et, euh, et en plus en plus au plan euh, strat simplement stratégique euh, l'égypte euh, fait partie des candidats à la, des candidats à la domination régionale. Euh, c'est le plus grand pays arabe de la région. Euh, donc, euh, euh, donc, je pense que… Euh, et puis, c'est le, le centre de, de l'université euh, Al-Azhar qui, euh, qui avait euh, condamné toute la, toute la doctrine de, de Saïd Koutoub, qui est, qui, est, qui est celle qui est au cœur de celle des Frères musulmans. Donc… Euh, c'est vraiment un pôle sur lequel je pense qu'on pourrait effectivement compter et qui pourrait empêcher la Turquie de, de, de se déployer en Afrique du Nord. Ouais. Alors je gérerai des réglages. Une dernière question parce que la dernière comprend qu parce que c'est encore un abonné. Euh, donc Charlie 5 ou Charlie V. Est-ce que la Turquie a l'ambition d'attaquer le marché jordanien? D'attaquer le marché jordanien euh, économiquement, oui. je, je, je sais pas, c'est possible, mais j'ai pas de renseignements euh, là-dessus. Je, je sais pas du tout quels sont l'état des liens économiques, euh, j'en ai aucune idée. Un grand garçon comme toi n'a pas, <laughs> pas des infos. Ah, il dit c'est une blague. Ah, d'accord, pas... tant mieux. Il euh, faut la capter la blague. <laughs> c'est parce que t'en as pas fait assez. Oh, tu peux la ramener. Oui. <laughs> non, justement, là... j'en ai quasiment pas fait aujourd'hui. Et oui, c'est ça, mais parce que t'étais trop occupé par la technique, c'est pour ça. C'est ça, euh... comme quoi, tu vois. Vous nous direz euh... si ça vous a fait des vacances. Euh... <laughs> ben, je sais pas si. Euh, je sais pas si ça leur a. Enfin, parce que si, en échange des blagues, ils ont des problèmes techniques. Euh, c'est pas faux. C'est dit que ça leur plaise. Alors, apparemment, c'était une référence à OSS. Alors, euh, effectivement. Euh, je me rappelle vaguement de. J'ai vraiment du mal avec les, les, les références à OSS. Vous me faites les plus compliquées. Ah non, enfin, bon, que... Attends, moi, c'était pas compliqué. Moi, elle était ultra mainstream. Mais contre... Ouais, mais j'y je... ai pas pensé la dernière fois. Mais par, que par tu contre, celle-ci, euh, ça me dit quelque chose de très loin. Ouais, il y a une discussion entre du jardin et un autre. Il y a une question comme ça. Je crois que ça me dit quelque chose. Mais là, ouais, c'était lointain. Bon, on verra. Bon, bah écoutez, en tout cas, merci beaucoup. Vous étiez plus de 110, même à un moment. Euh, pouce bleu. Euh, Pousse bleu. Pouce bleu. Merci aux nouveaux abonnés. Euh... N'hésitez pas à jeter un coup d'œil au livre si ça vous intéresse. Si vous les avez achetés, si vous les avez lus, euh, même si vous les avez lus sans les avoir achetés, n'hésitez pas à aller lâcher des petits commentaires sur Amazon. Euh, rejoignez la chaîne, soutenez-la si tel est votre bon plaisir. Ça sera en tout cas le nôtre. Et euh... Et, euh, et si vous avez d'autres idées, parce que je n'ai pas encore d'idée arrêtée sur le, le, la prochaine émission, je ne sais pas si elle sera lundi ou mardi, Faut que je vois mes disponibilités. Euh, mais en tout cas, si vous avez des, des sujets en particulier que vous voulez qu'on traite, n'hésitez pas à le, à le dire en commentaire. Euh, et voilà. Denis G4 nous dit qu'il a tous les livres. Ah, ben super. Alors, il faut que j'en écrive encore d'autres histoire de faire fric égal pognon. Hein, C'est dommage, hein. <laughs> ah ben ce <laughs> faudrait que je me prépare le même pour que je puisse balancer le mien en direct, mais là, je ne l'ai pas. Ouais, là, ça là, sera super. Je me super. Bon, donc, on, on va essayer la sortie cette fois-ci avec la musique. La dernière fois, il n'y avait pas la musique. Et donc, j'ai bien pu mettre tout le monde sur, sur la feuille. Donc, bah, écoute, je te laisse dire bonne soirée. Bon, C'est parfait. Alors, euh, merci à tous. Merci à ceux qui nous ont rejoints en cours d'émission. Merci à ceux qui nous rejoindront d'ici la prochaine. Euh, et à très bientôt.